Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve sans doute pour un des derniers spoils, en tout cas pas avant un sacré paquet de temps si jamais la série reprend, sur Dragon Ball Super puisqu'on a eu il y a quelques minutes les spoils des épisodes 130 et 131. Et je peux vous dire que c'est du lourd, hein, alors accrochez-vous bien à votre siège parce qu'on est parti. On commence avec le synopsis de l'épisode 130 qui a été dévoilé par Newtype et qui nous dit « Une super confrontation sans précédent, la bataille ultime de la survie. Il reste 1 minute 30 dans le tournoi du pouvoir. Son Goku a l'avantage sur Jiren. Jiren se concentre finalement et devient sérieux. Entouré par une aura rouge, il fonce sur Goku et lui envoie une attaque de ki à bout portant. Goku le prend de plein fouet, et depuis le siège des spectateurs, Krillin et Tortue Géniale semblent inquiets. Alors autant le début du synopsis ressemble à ce qu'on a eu dans la preview, mais le dénouement final avec Goku qui tombe dès l'épisode 130, là j'avoue je l'avais pas vu venir. Sans vous spoil trop, puisque si vous regardez cette vidéo c'est que ça vous dérange pas, mais on va apprendre très vite dans l'épisode 131 que Freezer est de la partie. Et donc que le mec y a en fin de synopsis, c'est sans doute pour dire « Mais Freezer est là et il va prendre la relève !» Après personnellement, ça me choque pas que Goku tombe, parce que c'est vrai que, depuis le début du tournoi, on nous vend Jiren comme un dieu vivant. Et encore, quand je dis dieu vivant, c'est pas vraiment les dieux de DBZ, parce que franchement, ils sont quand même pas terribles niveau puissance. On pourrait plutôt dire « ange vivant » en fait. Quoi qu'il en soit, même si on s'attendait tous à une victoire de Goku, sa défaite, elle est pas spécialement incohérente. Comme j'ai dit il y a quelques secondes, Jiren, on nous le vend vraiment comme un mec intombable. Le meilleur guerrier qui ait jamais existé. Et c'est vrai que quand on compare un petit peu à ce qui s'est passé jusqu'à présent dans tout DBZ et même dans DBS, eh ben j'ai pas souvenir d'avoir vu un tel écart de puissance entre le héros et l'ennemi. Si vous vous rappelez, dans l'arc Namek par exemple, Freezer, il a beau être au-dessus de Goku, quand Goku il est en Kaioken, il lui fait quand même pas mal de dégâts, parce que si vous vous rappelez bien, le passage de Goku en SSJ1, c'est quand Freezer tue Krillin, et Freezer il tue Krillin après avoir eu une énorme frayeur avec Goku qui l'a attaqué, et où on pensait même que Freezer était mort. Donc c'est preuve que, même s'il était un peu moins puissant, il arrivait à prendre l'ascendant sur lui. Alors que Jiren, bah c'est pas vraiment le cas, hein. Même s'il a eu une petite frayeur quand Goku a failli le faire tomber, on voit bien qu'en termes de puissance, Goku il est à des kilomètres de lui. Et même quand il a eu le power-up en Ultra Instinct non maîtrisé, il arrivait pas à faire face, il était à peu près équivalent on va dire, mais c'est tout. Et de ce qu'on comprend et ce qu'on voit, là Jiren il avait des difficultés avec l'Ultra Instinct maîtrisé, mais visiblement il va avoir un nouveau power-up qui va le mettre à niveau, voire encore un petit peu plus haut de Goku. Et c'est vrai que dans l'idée, eh ben c'est ce qu'il fallait. Niveau cohérence, honnêtement, même si Goku il a des power-ups, là le Jiren, je le trouvais clairement hors d'atteinte. Et au mieux, Goku pour moi, il arrivait à égaler son niveau, mais il n'y a pas un moment où il devait le surpasser, comme ça a été le cas en fait à l'épisode précédent. Mais il faut dire que dans l'épisode précédent, Jiren, il n'avait pas eu son pseudo power-up avec son torse bodybuildé. Donc la défaite de Goku, elle est pas forcément surprenante. Même si c'est vrai qu'elle me fait poser plein de questions sur l'avenir de la série, mais ça j'y reviendrai dans le spoil de l'épisode 131. En tout cas, quand on y réfléchit, Goku, ça a beau être le personnage le plus badass de la Team Z, et ben il a pas battu des masses d'antagonistes majeurs. Autant Freezer, je le considère comme battu par Goku, même si c'est Trunks qui l'a achevé, on peut pas vraiment dire que Goku il avait des difficultés à le terminer, c'est juste qu'il l'a pas voulu le faire. Mais par contre, quand on regarde Cell par exemple, bah c'est Gohan qui l'a buté. Boo, il a pas réussi, il a dû faire un Genki-Dama, donc en fait, sur le papier, c'est la puissance de tous les êtres humains qui a permis d'achever Boo, et pas juste Goku. Et pour ce qui est de DBS, il a pas réussi à battre Beerus, il a pas gagné face à Hit. Et pour ce qui est de Zamasu, il a dû faire appel à Zeno pour l'arrêter. Alors c'est vrai qu'avec le power-up qu'il a eu là, on pouvait penser que l'Ultra Instinct maîtrisé suffirait à battre Jiren, et finalement il en est rien. Et on va avoir l'issue qui paraissait un petit peu évidente depuis que Freezer avait disparu des radars, à savoir un Jiren qui va être éliminé en traite par ce dernier dans l'épisode 131. Le synopsis de l'épisode 131 nous dit « Une conclusion miraculeuse. Adieu Goku, jusqu'à notre prochaine rencontre. » Son Goku est tombé de l'arène. Il semble que l'univers 7 est perdu et que tout le monde va être annihilé. Mais, ayant brisé leurs limites, Goku et Jiren regardent les Zeno comme si le match n'était pas fini. Et là, un rayon de la mort vient frapper Jiren dans le dos. Un meuble amoché et défoncé de l'univers 7 se tient là. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de citer de nom, hein. Depuis que C-17 s'est autodétruit et qu'on n'a plus une seule nouvelle de Freezer, il paraissait évident que c'était lui qui allait débarquer sur la fin et achever Jiren. Parce que dans tous les épisodes avant ça, ils nous l'ont fait débarquer pour servir à que dalle. Que ce soit face à Topo où il s'est fait humilier deux fois, ou quand il a débarqué sur Jiren sorti de nulle part et où on voit pas l'intérêt, et où il se fait encore une fois défoncer en deux secondes. Donc le fait que subitement, on parle plus de lui, on dit pas qu'il a été éliminé, il est pas dans les gradins, et le Daishinkan n'a pas annoncé sa mort mais uniquement celle de C-17, et bah il paraissait évident que Freezer, il était encore là. Et comme par hasard, il décide d'arriver au meilleur moment, celui qu'on avait je pense tous anticipé, à savoir avec un Jiren qui vient d'éliminer Goku, et un Freezer qui commence à attaquer alors que Jiren est à bout de souffle et l'attaque en traite pour l'éliminer à son tour. Honnêtement, je sais pas vraiment quoi penser de cette fin.
Parce que c'est vrai que quand ils avaient fait débarquer Freezer à la place de Boo, je me suis dit que ça pouvait pas être anodin. Ils allaient pas juste faire ça pour le fanservice. Ils l'avaient déjà fait dans Fukatsu no F et je trouvais ça un petit peu abusé. Mais là, il fallait impérativement qu'il ait un rôle majeur. On aurait pu croire que c'était quand il a sauvé Aniraza, mais ça me paraissait vraiment un peu mince. Et comme il avait vraiment fait que dalle depuis le début du tournoi et qu'il restait plus que Jiren, ça me paraissait évident que c'était lui qui allait le finir. Donc c'est vrai que dans l'idée, cette fin, elle est vraiment prévisible. Seulement, il y a un truc encore plus important pour moi que le fait que Freezer élimine Jiren, c'est que du coup, c'est lui qui obtient le vœu à formuler. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me hype à fond de savoir que c'est lui qui a le vœu. Car dans ce cas-là, il y a vraiment trois possibilités qui s'offrent à nous. Et parmi elles, il y en a vraiment une qui me paraît être la plus probable et qui me hype à fond. Et je vais essayer de vous les détailler une par une. La première, et celle qui serait sans doute la plus désespérante à mes yeux, ce serait que Freezer, il ait décidé de changer d'avis et qu'il se range du bon côté. À savoir qu'il fasse un vœu bénéfique et décide par exemple de ressusciter tous les univers. Ça me paraît totalement improbable et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire « Mais Marco, il a pété un boulard de penser ça ». Et pourtant, ça me fait un petit peu peur, même si je pense que c'est pas celle qui a le plus de chances d'arriver. Parce que même si Freezer reste un gros antagoniste de Goku depuis le début de la saga, eh ben regardez tous ceux qui ont changé de camp. Yamcha, Tenshin Han, Piccolo, Vegeta, c'était quand même pas des enfants de cœur. Hein. Surtout que quand vous avez vu Dragon Ball, Piccolo, c'était une sacrée enflure. Le mec, c'était tout simplement un démon. Pareil pour Vegeta, car je vous rappelle qu'avant de débarquer sur Terre, le prince des Saiyans, il a annihilé des centaines de races. Il a asservi des planètes pour les vendre aux plus offrants. Et quand il a débarqué sur Terre, la seule chose qu'il voulait, c'est tuer le fils de Goku et détruire l'espèce humaine pour pas qu'il y ait des hybrides Saiyans humains qui soient plus puissants que lui. Donc on partait quand même avec un sérieux handicap pour le voir un jour du côté de Goku et tout simplement du côté du bien. Donc c'est vrai que, même si Freezer a montré quelques petits côtés sombres durant le tournoi, il a quand même fait des actions plus ou moins altruistes, même si c'était toujours intéressé. Comme par exemple quand il a rendu du ki à Goku ou qu'il lui a évité d'être éliminé. Donc même si je pense que cette fin n'arrivera pas, je me dis quand même qu'il y a une infime possibilité que ça arrive. Et là, ça clôturerait définitivement Dragon Ball. Donc non seulement j'aurais les boules du traitement qu'il y a eu pour Freezer sur la fin, mais en plus de ça, d'une part, ce serait la fin de Dragon Ball Super avec peu de chances d'avoir une suite, mais d'autre part, ça rendrait l'arc complètement what the fuck sur la fin, franchement, et ce serait vraiment nullissime, je trouve. La deuxième éventualité qu'on ait, ce serait que Freezer, il ait les Dragon Ball et il fasse un vœu de bâtard. Seulement, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour le Super Shenron, il faut faire des vœux dans la langue des dieux. Et à moins qu'il ait fait LV2 dieu, eh ben le Freezer, il sait pas la parler. Du coup, il va être obligé, à mon avis, de passer par le Daishinkan pour faire son vœu. Seulement, s'il débarque en faisant un vœu du style « Je veux prendre la place des Zeno, je veux être plus puissant que le Daishinkan, je veux une petite culotte », eh ben, je pense que le Daishinkan, il laissera pas passer. Ou tout simplement les Zeno qui entendent ça et qui disent « Nani nani » et qui décident d'effacer Freezer. Et du coup, le vœu de Freezer, il passe à la trappe et son existence est complètement finie. Dans ce cas-là, trois possibilités. Soit le vœu, il part aux oubliettes, et alors là, game over, il reste plus d'univers à part le 7. Soit le Daishinkan décide de considérer Jiren comme vainqueur, puisque c'était lui le dernier sur l'arène avant que Freezer débarque, et du coup c'est lui qui aurait le vœu à faire. Seulement, comme il aurait eu une victoire un petit peu improbable, puisque normalement c'était pas à lui de faire le vœu et c'est Freezer qui aurait gagné le tournoi, et ben il décide de laisser tomber et de filer le vœu à Goku. Il est quand même bien basé sur la justice et l'honneur le petit Jiren. Donc obtenir les Dragon Ball de cette façon-là, je pense que ça l'intéresse pas spécialement. Et il préférera encore ne pas réaliser son vœu, plutôt que trahir ses convictions. Et c'est ainsi qu'on aurait Goku qui récupérerait les Dragon Ball et déciderait de faire un vœu à la Happy End, du style ressusciter tous les univers qui ont été détruits durant ce tournoi. Je pense malheureusement, et j'ai peur, que ce soit le dénouement le plus probable. Même si ça se finit pas exactement comme je viens de le dire, j'ai bien peur que le vœu y revienne soit à Jiren, soit à Goku, et que ça entraîne une fin Happy End. Parce que si jamais ça devait arriver comme ça, alors ça voudrait dire que c'est la fin de Dragon Ball Super et qu'il n'y a pas forcément de chance qu'on ait une suite. Même si ça serait toujours probable, hein, parce qu'on attend toujours que Vegeta aille visiter la planète Salade de l'univers 6. Et puis si ça arrivait, on pourrait imaginer par exemple que la Z-Team veuille rendre hommage ou tout simplement aider Jiren, en lui proposant de l'accompagner pour aller vaincre cet ennemi qui a tué sa famille et ses amis. Donc même si cette fin laisse la porte ouverte à une suite, eh ben elle est complètement dispensable. Donc j'espère que c'est pas l'issue qui arrivera, et que la troisième hypothèse sera la bonne. L'hypothèse que j'espère le plus en fait, ce serait que Freezer y fasse vraiment son vœu de bâtard et que le Daishinkan laisse passer. J'ai déjà fait une vidéo concernant le vœu que pourrait faire Freezer et si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Mais on a quand même eu quelques pistes depuis le début du tournoi qui nous laissent à penser que le petit Freezer, eh ben il veut faire un vœu de bâtard. Je me rappelle par exemple d'un moment où il parle de manipuler les Zeno. Si ça se trouve, il veut se placer au-dessus d'eux hiérarchiquement et qu'ils aient pas le choix et qu'ils obéissent à ses ordres. Je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que comme je l'ai dit, il y a une vidéo à ce sujet-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon sens,
On ne peut pas avoir d'happy end avec Freezer qui décide du vœu à faire au Super Shenron. Ce qui voudrait dire que forcément, on doit avoir une suite à Dragon Ball Super. Parce que par exemple, si jamais Freezer décide de manipuler les Zeno pour les contrôler, eh ben tu peux pas finir là-dessus. C'est quand même improbable que le monde continue de tourner correctement avec un Freezer à sa tête. Donc il va falloir impérativement que la Team Z, et sans doute des autres univers, hein, parce qu'il y aura Jiren et compagnie, peut-être qu'ils seront pas effacés, remettent les choses en ordre. Ça veut dire que toutes les théories qu'on avait eues jusqu'à présent, à savoir que Dragon Ball Super faisait une pause le temps que Toyotaro rattrape, eh ben elles seraient vraies. Ce qui expliquerait pourquoi on aurait un film qui débarquerait tout de suite après, et qui d'ailleurs ne parlerait absolument pas de Goku et ses amis, mais tout simplement de la légende des Super Saiyan. Ce serait pour occuper les gens qui travaillent sur Dragon Ball actuellement le temps que Toyotaro les rattrape. Et donc à la fin du tournoi du pouvoir, eh ben on aurait un nouvel arc sans doute pour mettre à mal Freezer, et que les choses redeviennent à la normale. C'est peut-être qu'une volonté de fan aveuglée par l'idée de voir l'œuvre de Dragon Ball continuer, mais honnêtement, au vu de ce qu'on nous prévoit là avec les synopsis qui arrivent, eh ben je trouve ça de plus en plus probable. Ces synopsis, c'était vraiment du lourd, mais ce que je regrette vraiment, c'est qu'elles laissent aucune place à l'ambiguïté. Même si on se pose encore quelques questions sur ce qui va se passer à l'avenir, on a quasiment toutes les réponses sur le déroulement scénaristique de l'épisode en 4 lignes. Et bien que je puisse pas regretter ça puisque c'est moi qui lis les spoils et que personne ne me les impose, je trouve ça quand même un petit peu abusé parce que je me dis qu'il y avait peut-être moyen de laisser penser des choses sans pour autant les mettre directement comme ça. Parce que c'est pareil, même si on nous cite pas Freezer, quand on nous parle du rayon de la mort comme ça, on se doute bien que c'est lui qui fait ça. Et c'est vraiment dommage en fait, c'est que dans tout Dragon Ball Super, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais eu vraiment d'éléments de surprise. Même si c'est arrivé une ou deux fois, ça reste quand même super light. Et bien souvent, le peu de surprises qu'il y a eu, même si elles étaient un petit peu prévisibles, eh ben les synopsis nous l'ont tout de suite dévoilé, ou presque. En tout cas, je pense que la réussite ou l'échec de cet arc repose essentiellement sur ce qui va se passer dans cet épisode 131, avec Freezer qui gagne le tournoi et qui décide de faire un vœu. Je pense que bien qu'on a eu des passages un peu nuls et d'autres qui étaient vraiment épiques, ce qu'on gardera de ce tournoi, c'est vraiment la fin et qui va faire le vœu et quel vœu il va faire. Donc j'espère que la Toei, et surtout Toriyama, parce qu'à mon avis c'est lui qui a décidé du vœu qu'il y aurait, parce que autant je peux croire que la Toei, elle prend quelques petites libertés, mais je pense quand même que le vœu final, c'est Toriyama qui l'a décidé, et ben il soit au niveau des attentes qu'on a tous. Et qu'on se tape pas un happy end avec Freezer qui devient gentil, ou tout simplement qu'il se fasse effacer parce qu'on n'aime pas son vœu. Ce serait vraiment pas la solution que je préfère. Et je dis vraiment pas ça parce que ma troisième hypothèse laisse place à une suite, mais plutôt un point de vue cohérence, parce que c'est vrai que Freezer, il a été méchant tout le long. Il peut pas devenir gentil au moment de réaliser son vœu. Et si on a un choix du décideur du vœu qui est un petit peu bancal comme dans mon hypothèse 2, eh ben je trouverais ça quand même un peu triste, même si ça me semblerait un peu plus cohérent. Mais ça voudrait dire aussi que Freezer, il est définitivement éliminé, et je ne pense pas que ça puisse arriver. D'ailleurs c'est pas éliminé le mot, c'est effacé. Parce que Freezer c'est quand même un des antagonistes principaux, je pense qu'il va rester ici, et j'espère en tout cas qu'il va pas passer dans le camp des gentils, parce qu'on a assez de méchants qui ont basculé dans le camp des gentils depuis le début de la saga. Et il n'est pas forcément nécessaire d'en ajouter un de plus à la longue liste. En tout cas, c'était sans doute un des derniers spoils de DBS qu'on va avoir avant un sacré bout de temps, si ce n'est pour toujours. Donc c'est le cœur lourd que je vous annonce la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis partagez-la si vous trouvez que mon avis est intéressant. Mais le plus important pour moi, c'est commenter, histoire qu'on puisse échanger entre nous, que ce soit sur les spoils qui ont été annoncés, ou tout simplement sur mes prédictions. J'espère que vous serez nombreux pour qu'on puisse débattre ensemble de tout ça, parce que c'est quand même du lourd qui est annoncé. Et ça laisse un très gros point d'interrogation sur la suite de Dragon Ball Super. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !